Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, reçoit la nouvelle représentante du système des Nations Unies et représentante permanente du PNUD à Djibouti. Et accord pour un cessez-le-feu concernant la Libye. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet la nouvelle représentante du PNUD à Djibouti, Barbara Manzir. Le programme des Nations Unies pour le développement est un partenaire important qui soutient activement le développement du pays. La nouvelle représentante, qui est aussi la coordinatrice des activités opérationnelles du système des Nations Unies, les discussions ont porté essentiellement sur l'aide multiforme que le système des Nations Unies apporte au pays, mais aussi à la région. À partir de la plateforme logistique de Djibouti. Le plan d'action des 5 années à venir a été évoqué au président de l'Assemblée nationale et Mme Manzi ayant profité donc par ce premier rencontre de lui détailler sommairement. Le président de l'Assemblée lui a lui aussi souhaité la bienvenue et une bonne chance à la nouvelle représentante dans ses nouvelles missions au sein de la République de Djibouti. La coordination des associations de Balbala, le CAB, a fait hier après-midi un don de 200 fûts et 200 lots de tuyaux de 25 mètres chacun aux sinistrés des incendies de la commune de Balbala. Ce don est composé de 200 fûts pour la conservation de l'eau et 200 lots de tuyaux de 25 mètres utiles à l'alimentation en eau des foyers sinistrés pour les travaux d'alimentation de la maison. Les militants de la CAB ont remis donc le don au comité de gestion de la crise de la mairie et a été réceptionné par le président de la commune de Balbala, Wabel Nour Eleyi. Ces matériels donc de premier secours sont destinés à la conservation de l'eau une fois que les sinistrés seront installés. Du côté de la CAB, était présent lors de la réception de cette aide président de la commune de Balbala, le secrétaire général de la CAB, Abbas Aden, le député Ibrahim Sultan et Mustapha Elmi. En prenant la parole successivement, les responsables de l'association, la CAB, ont rappelé et souligné que c'était le bon moment où la solidarité des Djiboutiens doit être effective après les incendies qui ont fait de nombreux sinistrés à Balbala. Ils ont prié le Tout-Puissant pour sa bénédiction et ont demandé à la population de prier pour nos compatriotes sinistrés des derniers incendies. Également dans l'actualité, comme les années précédentes, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biawarf a lancé donc hier au stade Gouled des séances de sensibilisation pour les rituels du pèlerinage, démonstration du déroulement du Hajj au profit des pèlerins djiboutiens qui effectueront le Hajj pour cette année 2017. La cérémonie d'ouverture de cette session a eu lieu en présence notamment du directeur des affaires musulmanes, Al-Saleh Ahmed, et du président du haut comité de la fatwa, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, et un certain nombre de membres de la mission du Hajj, ainsi que les cadres du ministère. Cet événement se poursuivra donc jusqu'à la soirée des séances de sensibilisation jeudi, selon les organisateurs qui ont affirmé l'importance que revêt ces séances pour les pèlerins djiboutiens. Au total, ce sont quelques 1100 pèlerins djiboutiens qui vont accomplir cette année les rites du Hajj dans les meilleures conditions. Et dans le cadre du renforcement de la formation professionnelle, le siège du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a abrité donc aujourd'hui une cérémonie de signature d'une série de conventions entre la DGETFP, la Direction Générale de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle, et l'ONTD et ou une autre avec le groupe Iman Lota. Tout d'abord, la première convention a porté sur les renforcements dans les métiers touristiques et une convention qui intègre le projet de développement et de promotion du tourisme en République de Djibouti et vise notamment le renforcement des capacités du lycée hôtelier d'Arta avec l'acquisition de nouveaux matériels pour la cuisine et le restaurant d'application AMI, aussi la réhabilitation des chambres d'hôtel du lycée ou l'acquisition de moyens de transport. Elle a été paraffée par Abdelkader Hamad et Ousmane Abdi Mohamed, respectivement directeur général de l'ETFP et directeur général de l'Office national de tourisme de Djibouti. La deuxième convention signée ce matin entre le directeur général du groupe INMA a porté sur la concrétisation d'un important accord de partenariat stipulant, entre autres, de donner 300 stages par année en faveur des apprenants et des sortants de l'ETFP. Avec une promesse d'embauche des meilleurs, la mise à la disposition de l'ETFP d'une enveloppe budgétaire de 10 millions de francs pour appui et acquisition de matières d'œuvres au lycée technique.
partenaire du ministère. Tout d'abord, nous avons signé une convention entre la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Office national du tourisme de Djibouti. Cette convention donc portait sur la collaboration entre ces deux entités, des deux ministères différents, pour appuyer les lycées hôteliers d'Arta, aussi bien en termes d'équipement, mais en termes aussi de réhabilitation des chambres. Donc la deuxième convention s'est portée entre la DGTFP et le groupe INMA à Djibouti. Elle avait pour objet une collaboration entre ces deux entités. Parmi ces types de collaboration, il y avait déjà la possibilité à nos jeunes apprenants sortant de l'FTP de créer leur propre entreprise avec l'appui du groupe INMA. Il y avait aussi la possibilité de même d'exporter à travers le groupe INMA les compétences des jeunes djiboutiens pour travailler ailleurs. Ces deux conventions sont les premières d'une longue série qui vont, Inch'Allah, bientôt avoir lieu avec différents partenaires. Également dans l'actualité, si certains Djiboutiens et Djiboutiennes se déplacent à l'étranger, d'autres restent dans le pays, dans des endroits où le climat est plus agréable, à l'instar du village estival de Randa, qui a des fortes potentialités touristiques. Situé à une trentaine de kilomètres du chef-lieu Tadjoura, le village estival de Randa est agréable. De nombreux Djiboutiens y séjournent durant la saison chaude ou l'été, doté d'un climat donc agréable en période d'été. De nombreux Djiboutiens séjournent pour les vacances. Ils viennent de la région du Tadjoura, mais aussi de la capitale. C'est aussi que nous vont croiser le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et quelques cadres d'origine, originaires du village de Randa, qui séjournent en famille dans ce village. Un exemple à suivre pour les Djiboutiens qui doivent aussi s'impliquer dans la promotion du tourisme national. Des visites des vacanciers, des Djiboutiens, sont organisées aux cascades de Randa, très réputées pour les activités sportives, qui sont aussi organisées durant les vacances entre les Randa, les habitants de Randa et ceux qui y séjournent. Les touristes peuvent aussi découvrir la biodiversité végétale avec des palmiers rares à Randa et peuvent séjourner dans des sites touristiques. Avec la mise en marche d'un nouveau groupe qui va alimenter en électricité, le village de Randa et le séjour sera meilleur. Dans notre pays, donc nous les invitons. Chaque été, nous organisons des tournois, nous faisons des va-et-vient entre les différentes régions. Aussi, il y a aussi les régions un peu plus loin, aussi il y a la région d'Adailou, qui a le même climat que notre région de Randa. Et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, troisième personnalité de notre pays, qui parmi les Djiboutiens, qui revient donc au terroir pour passer des vacances en famille, dans une interview qu'il nous a accordée, il a lancé un appel aux Djiboutiens de ne pas oublier le territoire et à recevoir, si possible, pouvoir séjourner quelque temps en faisant aussi profiter leur famille. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, doit participer au développement de son pays, mais aussi de sa région natale, que ce soit pour l'éducation ou le travail. On est obligé de se déplacer dans les centres urbains pour de multiples raisons. Mais revenir vers les régions où on a fait ses premiers pas est très important, a affirmé ce dernier. Au lieu de se rendre à l'étranger dans les pays lointains pour les vacances, j'ai décidé, a-t-il dit, de venir à Randa pour les vacances entouré de ma famille. Mon objectif dans cette initiative et ma démarche face aux émules que d'autres Djiboutiens suivent l'exemple en préférant passer les vacances dans leur région d'origine. De cette manière, le développement ou la vie d'une région peut changer en bien et plus harmonieux avec le retour aux sources. Le retour est une bouffée d'oxygène pour la région. En tant que responsable national, nous allons ouvrir dès demain le chemin pour que la jeune génération fasse de même. Redécouvrir son pays d'origine une émotion forte, surtout quand on vient avec sa famille et son entourage. Les politiciens, les fonctionnaires doivent aussi avoir la même approche en se rendant régulièrement dans les régions d'origine pour participer à leur manière au développement local. Le président de l'Assemblée nationale a exhorté donc ses compatriotes djiboutiens et djiboutiennes à donner bien sûr leurs préférences durant le séjour dans les terroirs. C'est un bon moyen de découverte pour les enfants qui auront l'occasion de fréquenter
le village, les habitants du village, les parents, les aïeuls, découvrir en même temps le paysage qui a vu naître leurs parents. Les enfants ont peu de distractions en ville, mais à Randa, ils auront beaucoup à faire. Certains peuvent même aller à l'école coranique, d'autres peuvent réviser. Et dans la campagne, les enfants peuvent découvrir également les métiers de nomades ancestrales en s'occupant du bétail. À Randa, par exemple, les enfants de la ville ont la possibilité de découvrir la différence entre la ville et la campagne, ce qui est un acquis important dans la culture nationale. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a conclu son intervention en demandant à tout le monde, politiciens, fonctionnaires et autres compatriotes, de donner la priorité aux vacances dans leur région d'origine ou dans leur village, notamment dans la République de Djibouti. Ceci est aussi un atout et un levier pour participer au développement local, a-t-il conclu. Autre nouvelle du pays, le général de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation militaire de la République turque conduite par l'amiral Enze Zezenleng qui va effectuer sa première visite officielle à Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée en présence du colonel Abdurrahman Adenchel, commandant de la marine nationale, et du colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes djiboutiens. Durant cette réunion, les deux parties ont discuté des relations militaires entre les deux pays frères. Enfin, les deux responsables ont échangé des cadeaux. Santé à présent, le bloc opératoire de l'hôpital général Pelletier poursuit au quotidien inlassablement sa croisade pour soigner et guérir les plus démunis grâce à la persévérance et la pugnacité de nos valeureux chirurgiens. Un enfant âgé de 2 mois souffrant d'une détresse respiratoire après avoir été admis au service de la pédiatrie. Cette opération a été rendue possible grâce au docteur Ilyas Saïd Dirié, chirurgien viscéral de l'hôpital général Pelletier. Par ailleurs, aux différents diagnostics clinique effectué par le médecin, il a été constaté d'après les images du scanner thoracique que l'enfant présentait un kyste aérique congénital. Par la suite, l'opération a duré 10 minutes sous anesthésie générale et fut une réussite totale. Et enfin, après sa courte convalescence, le petit garçon va enfin pouvoir mener une vie normale. De cavité arrondie avec un contenu aérique. Et cette image correspond à ce qu'on appelle un pneumatocèle en termes médicaux. Et donc ce pneumatocèle qu'on a essayé d'observer pour voir s'il allait s'améliorer n'a pas diminué de volume et qui a été confirmé par un scanner thoraco-abdominal qui a montré effectivement la lésion de pneumatocèle qui est arrondie, bien limitée avec une cavité vide de tissu pulmonaire et de vaisseaux. Donc cette cavité qui peut se réinfecter ou donner des compressions et empêcher avec des gènes respiratoires récidivantes. Donc l'indication est de pouvoir évacuer cet air, permettre de vider cette cavité pour qu'elle ne entraîne pas d'autres infections et de permettre aux poumons d'avoir plus d'espace pour pouvoir participer à la respiration normale. Donc on va procéder à une anesthésie générale, mettre en place un tuyau qu'on appelle un drain thoracique et qu'on va essayer les jours suivants d'évacuer cet air et de permettre à cette cavité de se fermer, de se collaber. Et après des contrôles radiographiques, une fois que la fermeture sera complète, nous pourrons retirer le drain et permettre à l'enfant de sortir, Inch'Allah, dans des bonnes conditions de santé. Principe, c'est un geste qui n'est pas très très invasif, qui n'est pas très compliqué, mais comme c'est un enfant de 3 mois, il y a toujours un risque pour les enfants de bas âge. Et dans le cadre de la vulgarisation de ces activités, l'Agence djiboutienne de développement social, ADDS, a organisé une séance d'information et de sensibilisation. L'ensemble de ces projets en cours de réalisation dans la région de Dikil, hier lundi, en présence du président du conseil régional, des élus locaux et du directeur de développement social, accompagné de ses proches collaborateurs. Ainsi, le directeur du développement social, Dirié Farah, a fait un état des lieux de plusieurs grands projets, à savoir le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion
d'activités économiques dans les régions. En effet, le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion d'activités économiques à travers ce projet d'ADS réaliseront un centre de formation et d'autonomisation des femmes, la construction de plusieurs échoppes et réseaux d'adduction d'eau. L'objectif de développement du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des régions tout en promouvant l'inclusion et l'égalité du genre. D'autre part, le projet intitulé Filets sociaux de sécurité, qui est un projet qui combine emploi et nutrition, qui sera étendu aux autres localités de la région. Les objectifs spécifiques sont d'appuyer le développement des régions par la réalisation d'infrastructures économiques et administratives, favoriser le renforcement des capacités des bénéficiaires pour faciliter l'accès à l'emploi et le développement des activités génératrices de revenus. En vue d'une dynamisation plus rapide et plus équilibrée, le développement du pays, le gouvernement a élaboré une stratégie qui repose sur la vision Djibouti 2035, dont les principaux objectifs sont de situer le taux de croissance en termes réels à 10% durant la période 2013-2035, faire baisser le taux de chômage à environ 17,1% en 2035 et ramener la population de Djibouti et les chefs-lieux des régions à 50 dans la population totale. La DDS dans la région et d'une manière globale les interventions du secrétaire d'État chargé des affaires sociales. Comme vous le connaissez, il y a deux ou trois grands projets qui sont en cours dans cette région, à savoir le projet d'appui aux infrastructures socio-économiques financées par la Banque africaine et le gouvernement du Djibouti, les projets filets sociaux que vous connaissez tous et les projets de cash transfert effectués par le secrétariat d'État dont il y a une cellule au niveau du conseil régional. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. En Libye, accord pour un cessez-le-feu des élections le plus rapidement possible. Les frères ennemis libyens, Faiz al-Sarraj et Khalifa Haftar, se sont mis d'accord sur des élections au printemps au cours d'une rencontre près de Paris, a annoncé mardi le président français Emmanuel Macron, saluant leur courage historique. Ce qui est extrêmement important, c'est que l'un et l'autre ont acté un accord en vue des élections au printemps prochain, a affirmé M. Macron au cours d'une conférence de presse à l'issue des discussions entre les deux rivaux qui se sont déroulés sous son égide. Le chef du gouvernement de Tripoli, Faiz al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, ont adopté donc mardi pour la première fois une déclaration commune de sortie de crise appelant à un cessez-le-feu et à l'organisation d'élections le plus rapidement possible. Le texte, en 10 points, lu en arabe, réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise libyenne et réitère la validité des accords de Chikrat signés en 2015 sous l'égide de l'ONU. Le cessez-le-feu prévu ne doit pas s'appliquer à la lutte antiterroriste, précise le texte, qui appelle également à la démobilisation des combattants des milices et à la constitution d'une armée libyenne régulière. Il souligne aussi la nécessité de bâtir un état de droit en Libye et d'y respecter les droits de l'homme. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du colonel Mouammar Kadhafi fin 2011. Plusieurs autorités rivales ainsi que des myriades de milices se disputent le contrôle de son territoire. Et enfin, aux États-Unis, le Sénat américain lance les débats sur l'abrogation de l'Obamacare. Donald Trump vient de gagner une petite bataille dans sa guerre contre l'Obamacare. Le Sénat, chambre haute des États-Unis, a voté mardi l'ouverture du débat sur l'abrogation du système de santé introduit en 2010 par les démocrates. Un faux vert accordé de justesse, 51 votes pour et 50 contre, grâce à une voix du vice-président Mike Pence, comme le permet la Constitution américaine en cas d'égalité. Le sénateur et ancien candidat à la présidentielle John McCain, qui est actuellement traité d'un cancer du cerveau, a fait le déplacement à Washington pour voter oui sous l'ovation de ses collègues. Mais il a prévenu, comme d'autres républicains, qu'il s'opposait au texte final. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a remercié les élus à qui il ordonnait d'avancer depuis des mois. À l'heure du vote, devant l'aile noire du Capitole, où siège le Sénat ou à l'intérieur du hall, des manifestants sommaient donc les républicains d'abandonner leur combat contre l'Obamacare. Ils n'ont pas été entendus, mais au Congrès, la vraie bataille ne fait que commencer entre les républicains conservateurs en faveur d'une abrogation, les modérés qui veulent une nouvelle réforme et les démocrates bien décidés à sauver l'héritage de Barack Obama. C'est tout pour cette édition. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous retrouvons Fardous Hussein pour son focus dans quelques instants.
La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Donc nous allons nous rendre en Irak où des djihadistes se déguisent en femmes pour échapper à l'armée. Donc tout à fait Ahmed, les militants de l'État islamique ne manquent pas d'ingéniosité pour se soustraire à l'armée irakienne alors que l'armée leur a repris donc notamment le contrôle de la vieille ville de Mossoul. Les djihadistes usent donc de tous les moyens pour fuir la ville, leur trouvaille, se déguiser en femme avec tous les accessoires donc nécessaires. Un autre donc a opté, Ahmed, ce sont donc pour une perruque, du maquillage, à outrance donc avec des robes sous laquelle se cachaient donc des soutiens-gorge. Problème donc pour cet homme, ce sont donc ses poils qui l'ont trahi. Autre donc trouvaille, ce sont donc les tuniques en velours, des sacs à main. Malgré donc leurs efforts, les militants de l'État islamique sont donc pris dans les griffes de l'armée. Donc pourtant, durant le règne sur la deuxième ville de Mossoul, l'État islamique obligeait les femmes à arborer leur voile intégrale de couleur noire, le porter donc également le nigram. Elles devenaient donc également porter des gants de main. Après donc 9 mois d'intenses combats, des reprises de Mossoul pour les forces loyalistes, avant donc de renouveau souffle à présent dans cette vieille ville de Mossoul. Et nous allons nous rendre après l'Irak en France où un incendie a fait environ 10 000 personnes évacuées dans la nuit. Tout à fait. Plusieurs départs de feu se sont déclarés donc hier après-midi dans le sud-est de la France où environ 10 000 personnes ont été évacuées dans la nuit en raison d'un incendie qui a brûlé au moins 400 hectares près de Bormes dans les Mimosas, dans le Var. Attisé donc par les vents violents, les départs de feu se sont donc multipliés dans le sud. Près de 4000 hectares sont partis en fumée. Une vingtaine de secouristes blessés sur des différentes zones du pays. Au cours des dernières 48 heures, le Gard, notamment, un incendie a menacé les habitations à Nîmes, entraînant des évacuations. Les habitants également ont été accueillis temporairement dans un gymnase avant que le feu qui a parcouru les 16 hectares ne soit considéré comme fixe. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Téléchoutis.